Oh Susanna, un petit air traditionnel américain, du folklore américain, de la guerre de sécession. Tonalité de mi majeur, donc ça correspond à l'exercice de gamme que nous avons vu précédemment. Et nous allons utiliser les trois accords majeurs de la gamme. Donc le premier degré, mi majeur, le quatrième degré, la majeure, et le cinquième degré, qui doit être normalement un si majeur, que nous allons transformer en un si septième. Alors au niveau de la position, si vous ne la connaissez pas, doigt 2, case 2 sur le si, index ici sur le ré dièse, doigt 3 sur le la, corde à vide de si, et petit doigt sur le fa dièse. Et en termes d'enchaînement, on peut tout à fait le poser l'accord dans l'ordre logique des doigts. Doigt 2, doigt 1, doigt 3 et petit doigt. Voilà pour les trois accords de la partition. Au niveau rythmique, au niveau main droite, nous allons être sur une battue en aller-retour, à l'accroche, avec un rythme très simple qui va faire bas, haut, bas, je remonte à vide et je refais la même chose. Bas, haut, bas, et je remonte à vide. Ce qui me donne 1 et 2 et 3 et 4. Fais tourner la rythmique. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Si j'applique ça sur la première partie de mon morceau, alors ce que j'appelle la première partie, ce sont les 8 premières mesures, les deux premières lignes. Première ligne où je vais avoir une mesure de mi, encore une mesure de mi, une demi-mesure de mi, une demi-mesure de la et une mesure de si 7. Donc si j'applique ma rythmique dessus, ça me donne 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Deuxième ligne, pardon, deux mesures complètes de mi, une demi-mesure de mi, une demi-mesure de si et une mesure de mi. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et donc si j'enchaîne mes 8 mesures, ça donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. J'ai fini ma première partie, on peut considérer que c'est le couplet du morceau. Et nous allons voir la partie du refrain. Première ligne du refrain, deux mesures de la, une mesure de mi et une mesure de si. Donc ça me donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et la dernière ligne, deux mesures de mi, une demi-mesure de mi, une demi-mesure de si et une mesure de mi. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc si j'enchaîne mon refrain, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. Du coup, on va essayer d'appliquer ça par-dessus la mélodie du morceau. Alors attention, le tempo va être plus rapide puisqu'il nous est donné pour 150. C'est parti. 1, 2, 3.